Bonsoir. Il y a des gens comme ça, dès qu'on les voit, on se sent mieux. On les perçoit compatissants et forts, ouverts et vaillants, intenses si on a besoin d'intensité, et légers un peu avant qu'on ne le soit, pour nous montrer que la vie, c'est autre chose que de penser à soi-même. Ils sont discrets aussi, et puis pudiques encore. Responsables de leur existence, ils nous donnent, par petites touches attentives et par la simple image de ce qu'ils sont, un sentiment très vif de ce qu'on pourrait être si on s'inspirait un peu mieux de leur exemple. Quand on est triste, on dit qu'ils sont trop bien pour soi. Et quand on est gai, on pense qu'ils ont de la lumière. Ce sont aussi des gens très rares. J'ai croisé une fois Sandrine Bonnaire brièvement et je peux vous assurer que je ne l'ai pas oubliée. Et qu'il s'agit d'une de ces personnes dont je vous parle. D'ailleurs, je crois que tout le monde s'en rend bien compte. Il suffit de voir les films ou de lire les critiques sur une pièce que je regrette de ne pas avoir vue, La bonne âme de Sichuan. En somme, le fait que Sandrine Bonnaire soit une des plus grandes actrices françaises est presque accessoire dans le plaisir que j'ai à la rencontrer, pour parler notamment de La captive du désert de Raymond Depardon. Un résultat plutôt qu'une surprise. C'est assez simple. Elle serait une inconnue rencontrée dans un café. J'aurais eu tout autant envie de faire cette émission avec elle. Et puis aussi, comme d'habitude, elle n'est pas venue les mains vides, puisqu'elle est accompagnée de Sophie Simon, l'héroïne de Mona et moi, dont je venais de découvrir la photo sur un magazine avec admiration. Je dois dire que là encore, j'ai plutôt tendance à faire confiance à Sandrine Bonnaire. Voilà. Petit compliment extrêmement sincère, Sandrine. Je dois dire que j'en ai pesé tous les mots et que je l'ai fait tout à l'heure vraiment en pensant à vous avec énormément de tendresse. Je pense que vous l'avez senti. Alors parlons de La captive du désert. Et puis après, on parlera à Sophie. Est-ce que vous aviez vu... La captive du désert s'inspire d'une histoire qui est bien connue, qui est l'histoire de Madame Claustre. Est-ce que vous aviez vu l'interview de Madame Claustre que Raymond Depardon avait réalisée en 1975 dans le désert même où elle était otage? Oui, il m'a montré ça donc après notre rencontre. C'est-à-dire que on voulait pas raconter sa vie, son histoire, mais c'est vrai que la base, enfin les racines sont elles. Et j'étais très frappée de voir cette force de cette femme. Et ce qui m'a beaucoup aidée pour faire le film, c'est qu'elle disait « si je savais combien de temps je restais ». Après tout, je suis heureuse ici. Les gens sont gentils, il fait beau, l'endroit est magnifique. Mais si on me disait 3 ans, 4 ans, 2 mois, 3 mois, je pourrais vivre correctement. Alors c'était un entretien qui était tout à fait bouleversant. Je veux dire, ça avait bouleversé la France entière. Et on sentait précisément qu'il y avait cette révolte, justement, devant cet inconnu, de ne pas savoir combien de temps elle allait rester. Dans le film, on ne sent pas la même révolte chez vous. Vous vous évadez, vous résistez aussi. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire, vous refusez de donner de l'aspirine, par exemple, aux gardiens. Dans tous les domaines, vous refusez le jeu dans lequel ils voudraient vous entraîner. Mais en même temps, vous n'avez pas la même révolte. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Je dirais que le personnage a plus d'espoir. C'est quelqu'un qui ne pense pas une seconde, qui... Alors, est-ce que c'est une histoire de temps? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas depuis combien de temps elle est captive. Je crois que le moment vraiment où elle est désespérée, c'est quand elle décide de s'enfuir, qui est d'ailleurs un échec. Mais sinon, je crois qu'il y a toujours l'espoir de se dire, mais ça n'arrive qu'aux autres. En fait, c'est ça. Et je pense que le personnage, c'est ça. C'est cette envie comme ça de comment, c'est difficile de dire, hein, parce que ça tient sur pas grand-chose. Non, je pense tout simplement, c'est l'espoir. Alors, elle est très courageuse aussi. Et quand elle est libérée, à la fin, le personnage lui dit « vous avez fait l'admiration de tous les gens ici. » Est-ce que vous avez eu ce sentiment comme ça, que vous étiez, que vous aviez atteint à cette idée-là du courage? Moi, en tant que comédienne ou le personnage? Le personnage et la comédienne.
Parce que partir 3 mois là-bas, c'est pas être otage, mais c'était très difficile quand même. On l'était tous. Donc, non, je pense, en tout cas, en tant que... Enfin, pour ma personne, je pense que je me suis découragée. Enfin, il y a plein de choses que j'ai laissé faire, que j'ai laissé passer, parce que c'est un endroit difficile, parce qu'il fait tellement chaud, parce que les cultures sont tellement différentes. Alors c'est étrange, parce qu'au début, on a des manques qui sont complètement... des manques matériels. Et ensuite ça bascule complètement. On s'aperçoit qu'on peut très bien vivre avec pas grand-chose. Donc ça purifie, ça nettoie. Et... Donc il y a une force qui revient, il y a presque une révolte d'avoir vécu dans son monde à soi, de se dire mais c'est terrifiant, on a besoin de tellement de choses pour vivre nous. Donc il y a un décalage comme ça qui se fait, donc il y a une force, il y a une révolte de voir ces gens qui n'ont rien, qui ne sont même pas vaccinés. Donc je dirais que la force elle était là, mais au niveau du travail, je pense que j'aurais dû penser plus, j'aurais dû... En même temps, c'était difficile parce que... Je me souviens que Claustre disait « Je sais ce que c'est que d'avoir les jambes molles. » Parce qu'elle avait entendu dans une radio qu'elle allait passer par les armes. Et donc, on avait essayé de tourner cette scène. Il était impossible pour moi d'imaginer les jambes molles. Je pouvais l'imaginer, mais je ne pouvais pas le vivre. Et à la fois, je culpabilisais de jouer avec ça. C'est comme de jouer avec le feu. Donc, en même temps, je pouvais simplement vivre, enfin jouer ce que je vivais sur le moment présent, mais je ne pouvais pas... je ne pouvais pas aller plus loin, parce que c'est des choses tellement... tellement trop sérieuses, tellement fortes, tellement... On peut pas le vivre. On peut pas... Enfin, si on l'a pas vécu, on peut pas le jouer, quoi. C'est impossible. Il y a la notion du temps aussi. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Je trouve que vous le jouez très, très bien. Et en regardant le film, je pensais à toutes les autres actrices qui auraient été comme ça dans ce film. Et je me dis que ce que vous faites, c'est tout à fait extraordinaire et que c'est une image tout à fait crédible de ce qu'a dû être l'histoire de Mme Claustre. Ça, oui. Et je me dis aussi que ce qui est intéressant, c'est que nous, on connaît l'histoire, mais que quelqu'un qui ne la connaîtrait pas et qui découvrirait le film s'imaginerait très bien un fait réel et s'imaginerait très bien un fait réel comme celui de Mme Claustre, ce qui en dit long sur la réussite de ce que vous avez réussi, vous, personnellement, à faire dans ce film, en dehors de ce que, lui a réussi à faire comme réalisateur. Alors, il y a une autre chose, c'est la notion du temps. Quand on arrive là-bas, on doit avoir, ces gens-là, ils datent de 2000 ans avant Jésus-Christ, comme d'aujourd'hui. C'est toujours le même temps qui passe. Et vous venez de Paris, vous venez des films de Piala, des films de Agnès Varda. Ça doit être un choc très, très violent. Oui, le temps est étrange parce qu'on a l'impression que ça va très vite et puis à la fois très lentement. C'est-à-dire que on savait qu'on partait 3 mois, donc on n'était pas dans la même situation que Claustre. Quoique, quand même, des fois, on comptait les jours. Je me souviens, une fois, on s'était dit plus que 42 jours. Et 42 jours, c'était énorme. Et puis en même temps, en fait, le temps paraît long parce qu'on quitte tout. C'est-à-dire qu'on quittait les gens qu'on aimait, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de... Enfin, on n'avait rien, quoi. Donc on se dit, je tiendrai jamais 3 mois. Et en même temps, c'est... Quand on revient, on est à la fois très différents, parce que je pense que le désert permet de se parler à soi-même, on est très seul. Donc c'est bien parce que c'est des remises en question, on a envie de changer sa vie, même si on ne le fait pas après. Mais... C'est ça, on part toujours avec des bonnes résolutions, on ne les respecte pas forcément. Oui, il y a un côté un peu baba quand même. Hein, mais il en reste quelque chose. Oui, mais je pense que c'est plus les gens. Et vraiment, ces choses matérielles m'ont beaucoup frappée. Je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi on vit avec tant de choses, quoi? Et je sais bien que c'est pas possible en France de vivre, parce que d'abord c'est pas le même climat, on peut pas vivre avec un t-shirt sur le dos, on est obligé d'avoir un toit, enfin bon. Mais quand même, je trouve qu'il y a plein de choses qu'on pourrait supprimer et ça serait parfait. Est-ce que vous vous raccrochiez à des petites choses, comme le fait
l'héroïne du film. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, elle apprend des numéros de téléphone par cœur dans son agenda, ou elle griffonne sur un petit papier. D'ailleurs, chaque fois, ça inquiète un petit peu ces geôliers, parce que ce sont des parts de liberté qu'elle leur vole. Est-ce que vous faisiez la même chose? Non. Moi, j'avais une... J'ai écouté une cassette pendant 3 mois. J'ai écouté la même cassette. Alors j'avais amené plein de choses, j'avais amené plein de bouquins, plein de des choses pour écrire, pour dessiner, et je n'ai rien fait. J'ai écouté c'était Léo Ferré, et j'ai écouté ça dans mon Walkman pendant 3 mois. Donc c'était une autre forme de tic. C'était la musique, c'était Ferré. De pardon, lui. Il avait assisté à la fois à la période où Madame Claustre était otage, et puis il était en même temps le metteur en scène du film. Est-ce qu'il avait tendance à vous prendre comme otage à son tour, ou est-ce qu'il avait tendance à se comporter uniquement comme un témoin de tout cela? Mais il l'était aussi. Il était otage. Donc, ce qui était bien, c'est qu'il était témoin et en même temps... On ne s'est jamais dit, bah tiens, Claustre, à ce moment-là, elle était comme ça, ou jamais. On a toujours fait les choses. Je dirais qu'elle n'était pas là, sauf ce jour où on a parlé de cette scène où elle avait les jambes molles. Là, il m'a dit, un jour, elle m'a dit ça. Et... Mais sinon, on n'en a jamais parlé. Vous n'auriez pas pu faire le film autrement? Non, j'aurais pas pu. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de La Captive du désert. Comment ça va? Ça va. Comment ça va avec la douleur? Et le moustique? Ça va. Et la chaleur? Ça va. Et la fatigue? Bon, vous me laissez tranquille maintenant. Ça suffit. C'était un court extrait. J'aime pas beaucoup, moi, les extraits de films, mais en même temps, malgré tout, ça donne envie d'aller les voir. Alors, les Toubou, j'étais très frappé par le look des Toubou, ce mélange Adidas et Ray-Ban, et puis avec les tissus qu'ils portent. Ils sont extrêmement beaux. Oui, ils sont très beaux, oui. Mais la qualité est souvent mauvaise. Ils portent beaucoup de nylon. Beaucoup d'acrylique, donc le coton est très cher. Je ne sais pas comment ils font, parce que il fait tellement chaud de porter du nylon, c'est impossible. Je me souviens, il y avait un type qui avait un chèche en nylon. Je ne sais pas comment il faisait. Est-ce qu'on arrive à leur parler? Est-ce qu'on arrive à comprendre leur univers? Est-ce qu'on arrive à échanger des choses avec eux? Je crois que vous avez eu des relations avec les femmes qui au début ont été difficiles et puis après qui sont devenues très bonnes. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on établit la communication? Ben, je crois que quand on s'intéresse à leur culture, parce que ce sont des gens très orgueilleux, très fiers d'eux, fiers d'être Toubou, fiers de leur terre... Donc si on s'intéresse à ça, je pense qu'ils sont, très chaleureux, très accueillants. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au départ, ils sont tellement peu habitués à voir d'autres gens qu'ils agressent et ils sont très fatigants. Et je me souviens, le premier jour, donc la première nuit, donc le réveil, il y avait une cinquantaine de femmes autour de ma hutte. Et
Elles ont commencé à m'agresser, mais alors, c'était, ça faisait peur. Et je me suis un peu rebiffée contre elles. Et pendant 4-5 jours, je n'ai pas parlé avec elles. Et un soir, j'arrivais pas à dormir et je les entendais chanter. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller les voir. J'y suis allée et j'ai chanté, j'ai dansé. Et elles étaient très fières que je sois intriguée par leur chant, par leur danse. Et depuis ce jour-là, j'ai été très, très complice avec elles. Et avec les hommes aussi. Alors, par contre, les hommes, c'était... Alors, c'est drôle parce que j'aurais pu être complice avec les femmes, parce que comme ils sont musulmans, en plus, donc les hommes, donc la femme, en plus, une femme blanche, c'est un peu... c'est spécial, quand même. Et bizarrement, j'avais plus de contacts... Enfin, disons que j'arrivais à approfondir les choses avec les hommes. Je pouvais parler de choses... Je me souviens, on a parlé de sexualité, ce qui est quand même pas évident avec des musulmans. On a parlé de culture, d'enfants, de plein de choses. Alors que les femmes sont bien plus pudiques, bien plus... Donc c'était les enfants, c'était la chaleur. Comment ça va avec la chaleur, ce qu'on vient de voir? Ça m'intéresse énormément tout ce que vous dites, parce que j'imagine que Madame Claustre a dû faire le même parcours, pour utiliser un terme que j'aime pas beaucoup, a dû faire le même parcours que vous. Elle a dû parler aux hommes, elle a dû parler aux femmes, elle a dû parler d'elle-même, et elle a dû arriver aux mêmes conclusions que vous. Sauf qu'elle, en plus, elle était otage, elle risquait d'être tuée à chaque instant. Alors, il y a une autre chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que vous êtes partie là-bas avec un Polaroid. Oui. Et ben c'est à partir de ça que ça... Parce que j'avais fait des photos des femmes, et... En fait, c'est comme ça que ça a commencé, cette querelle. J'ai sorti le Polaroid et j'ai fait plein de photos. Donc après, elles m'ont dit, oh, on veut une photo avec toi. Donc elles m'ont mis plein de bijoux, elles m'ont coiffé, tout ça. Et on a fait 3 photos. Donc j'ai dit, vous en gardez 2, j'en garde 1. Elles, évidemment, elles m'ont tout piqué. Et j'étais furieuse, j'ai dit, non, c'est pas juste. Et je voulais bien... Parce que ce sont des gens qui bouffent en même temps, qui sont tellement... et puis en plus, le nombre, tout ça, ça fait peur quand même. Et je voulais pas... Je voulais garder... comment dire, hein? Oui, je voulais avoir un rapport assez simple et sain avec eux. Pourquoi un Polaroid et pas un appareil normal? Ah, j'ai amené les deux, j'avais les deux. Ben, le Polaroid, c'était un cadeau que je voulais leur faire parce qu'ils n'ont pas de... ont rien. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Parce que moi, c'est une chose qui me frappe beaucoup, c'est que les gens qui vont à l'étranger n'apportent pas de Polaroid. Ils font des photos, puis ils les gardent pour eux. Quand on fait un Polaroid, évidemment, on donne une photo à l'autre. Oui. On établit un contact. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et je constate que vous aviez eu ce réflexe-là. Alors, le film, c'est aussi notre regard sur eux. Est-ce que ça ne vous a pas gêné de ne pas avoir leur regard sur vous? Et est-ce que c'est pour cela que vous-même, pendant le film, vous avez fait un film en vidéo? Je pense qu'ils avaient un regard sur moi. Ils avaient un regard très... très humain. En même temps, je crois qu'ils ne comprenaient pas qui j'étais, parce que j'avais pas d'enfant, parce que j'ai 22 ans. Il y a 22 ans, sans enfant, c'est bizarre. Pas marié. Donc, ils sont sur des choses comme ça, quand même. Je pense qu'en même temps, il y avait cette chose humaine qui était vraiment égale. J'avais pas l'impression d'être actrice dans ce... Donc... Il n'y avait pas de jugement sur le travail. J'avais l'impression de faire un premier film. Enfin, le vôtre. Le mien, oui. Parce que j'étais revenue... c'était très lié à l'enfance. J'avais des copains de 12 ans, de 3 ans. On jouait aux osselets avec les crottes de chameau. Et donc, il n'y avait pas d'âge, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien. Et donc, au niveau du travail, c'était pareil. J'avais l'impression d'être une enfant à qui on disait, bah, tiens, tu vas faire ça. Et je le faisais et j'étais heureuse.
et malheureuse aussi. Des fois, j'étais très malheureuse. Je savais pas très bien pourquoi. Mais j'étais à fleur de peau, quoi. J'avais... Il y avait une grande mélancolie, en fait, c'était ça, plus que de la tristesse. Une grande mélancolie. Oui. Vous aviez lu un livre, je crois, avant le tournage, qui était un livre de Betty Mahmoudi, « Jamais sans ma fille ». Qu'est-ce que c'est, ce livre ? Ce livre, c'est Juliette Binoche qui me l'a conseillé. C'est un livre... C'est monstrueux. C'est une prise d'otage aussi, mais... Alors là, c'est plus grave parce que c'est le mari qui prend la femme en otage. Ça se passe en Iran, c'est ça ? C'est ça, oui. Et une petite fille. Et c'est d'une violence incroyable. Et ça m'intéressait de lire ce livre parce que ça raconte la fuite. Cette femme cherche à fuir sans arrêt. Donc, c'est des calculs, c'est... Elle passe par dans des situations incroyables pour fuir. Elle y arrive. Alors que le film de Raymond, c'est pas du tout ça. C'est la fuite, elle vient... rien n'est calculé. Elle est très bête, cette fuite. C'est vraiment... C'est pour s'échapper. C'est pour s'échapper, oui. Pourquoi est-ce que le livre vous a servi ? En quoi est-ce qu'il vous a servi ? Il m'a servi sur la peur, sur les calculs, de se dire, ah ben alors si je fais ça, alors après il faudra que je fasse ça, mais il ne faudra pas que je montre que... c'est affolant. Mais en même temps, il ne m'a rien apporté, puisque le sujet est complètement différent. Là, c'est sur l'attente, alors que l'autre, c'est sur l'impatience. Je voulais poser tout de suite une question à Sophie Simon. Parce que Sophie, là, vous regarde, vous écoute avec beaucoup d'attention. Sophie, est-ce que quand vous avez fait votre premier film, donc le film de Patrick Grandperret, Mona et moi, d'ailleurs, c'est tout à fait étonnant de penser que vous appeliez Mona dans Saint-Ouen-Illois, le film de Agnès Varda. Oui. Et vous, votre premier film, ça s'appelle Mona et moi, donc vous appelez aussi Mona, enfin, vous êtes l'idée de Mona. Est-ce que quand vous avez fait votre premier film avec Patrick Grandperret, est-ce que vous avez lu quelque chose ? Est-ce que vous avez cherché des repères avant le film, ou est-ce que vous êtes lancé comme ça dans ce premier film ? Ah non, je me suis lancé comme ça. Je me suis inspiré de rien, à part de mes instincts, parce que grand-père m'a dit que Mona, c'était moi. Quoi, que... Donc vous êtes parti comme ça ? Comme ça. Et vous, quand vous avez fait Nos Amours, est-ce que vous avez le premier film ? Est-ce que vous êtes nourri de quelque chose ? Vous êtes parti comme ça aussi ? Je suis parti comme ça, oui. Oui. Je propose qu'on voit tout de suite un extrait d'un autre film de Maurice Pialat, dans lequel vous aviez une scène, vous aviez plein de scènes, mais vous aviez une scène particulièrement bouleversante, et c'était celle où vous poussiez un cri. Mais je propose qu'on vous voit tout de suite là, avec Gérard Depardieu. Vous ne pouvez pas refuser de me répondre. Je veux savoir. Pour l'apprendre, je ferai tout ce que vous voudrez. Vous savez tout. J'ai tout avoué. Et alors ? Je crains rien. Qu'est-ce que ça peut me faire ? Mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai vraiment parlé en songe ? Je t'ai vu, comme peut-être aucune autre créature n'a été vue. Je t'ai vu de telle manière que tu ne peux m'échapper. Penses-tu que ton péché me fasse horreur ? À peine as-tu plus offensé Dieu que les bêtes. Tu n'as porté de faux crimes comme tu n'as porté qu'un fœtus. Cherche, remue dans ta boue. Le vice dont tu te flattes y a pourri sans donner de fruits. Depuis longtemps, tous les jours, à chaque heure, ton cœur crève de dégoût. Tu n'as tiré de toi que des rêves toujours déçus. Tu crois avoir tué un homme ? Pauvre fille, quelques semaines plus tard, tu rampais au pied d'un autre homme qui ne valait pas le premier. Et cet autre, tu le méprises et il te craint. Mais tu ne peux pas lui échapper car tu lui as avoué ton crime. Je ne peux pas lui échapper. Mais si je peux, je sais que je peux. Quand je voudrais. C'était un extrait de Sous le soleil de Satan, qui est un film extraordinaire. Moi, j'ai une passion pour Pialat. Je veux dire, c'est un type difficile, mais c'est vraiment un type absolument génial. Difficile dans la vie quotidienne, mais génial sur le plan du cinéma. Puis, d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il soit si difficile que ça dans la vie quotidienne. Oui, je crois qu'on a raconté beaucoup de choses. Oui. Alors, il y a encore des derniers traits sur la captive du désert. À un moment, vous chantez, il y a un moment de gaieté, comme ça, enfin de presque gaieté. Vous avez parlé de la mélancolie du film. Ça, c'est vraiment le bon terme. Mais il y a un moment de presque gaieté où vous chantez Le Petit Navire. Et en fait, quand on entend Le Petit Navire, cette chanson que chantent tous les enfants et que vous apprenez donc à des enfants tout bout, on s'aperçoit que c'est une chanson terriblement cruelle. C'est vrai, oui.
Elle est cruelle, alors là, pour plusieurs raisons, puisque c'est le désert. Donc, le petit navire, c'est quoi? C'est l'eau. Donc, je trouve très cruel de chanter ça à des enfants qui ne connaissent pas la mer, qui savent même pas ce que c'est. Et puis, en plus, qui va être mangé? On va le faire cuire à telle sauce et tout, c'est horrible. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses pour enfants qui sont terrifiantes, en fait, et qui passent complètement... On vous sent très sensible à la cruauté du monde en général, à travers vos rôles, à travers les choix que vous faites, à travers les entretiens qu'on peut lire dans la presse. Vous y êtes très attentive. Hein, la cruauté du monde, c'est quelque chose que vous repérez très bien dans votre vie. Oui, oui. Mais ce qui me frappe le plus, c'est de voir que les gens sont cruels, mais sans s'en rendre compte. Les gens ou les choses ou... par exemple, quand on prend l'histoire du Père Noël, c'est monstrueux aussi. Parce que bon, c'est partir dans un rêve, et puis ensuite, quand on grandit, on dit bah non, il n'existe pas. C'est terrible. Alors, je sais pas, je trouve que oui, ça passe toujours un petit peu. Les gens ne se rendent pas compte, enfin, il y a des histoires qui se font autour de la cruauté, je trouve. Et. Mais on n'y échappe pas, malheureusement. D'une manière générale, quand on revient de là où vous revenez, d'où vous revenez, et quand on voit la France d'aujourd'hui, moi, je suis très, très frappé de voir que les gens n'ont plus honte de dire des choses abominables. Je suis frappé de voir que le racisme, même celui qui n'ose pas dire son nom, s'étale de plus en plus. Est-ce que ça sont des choses qui vous frappent, qui vous concernent, ou est-ce que ce sont des choses dont vous êtes tellement éloigné que vous ne le remarquez pas? Ah, si, je le remarque. Ça m'avait beaucoup frappé, cette histoire de foulard. J'avais vu un reportage, et c'était horrible, parce qu'il y avait deux gamines donc, qui étaient dans une cour d'école, et là, j'ai vraiment détesté les journalistes. J'ai eu un mépris, pour les images que je voyais. Donc, j'imagine qu'il y avait deux caméras, puisqu'on en voyait une en train de les filmer. Et c'était horrible, parce que ces gamines avaient quoi, 10 ans? Il y avait une mise en scène. Et alors, je ne sais pas si c'était une mise en scène ou quoi, mais en tout cas, il y avait deux caméras. Donc, une qui filmait la situation générale, et donc, on voyait le type en train de filmer ses deux filles. Mais vraiment, il était après elles, comme ça... C'était terrible. Et ces gamines qui essayaient de se sauver, je trouve qu'on n'a pas le droit de faire ça. C'est irrespectueux, je trouve. Surtout sur des enfants. Alors bien sûr, on peut penser ce qu'on veut sur le foulard. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, ça ne me gêne pas. Et je suis très touchée par ça, parce que j'ai vécu un peu dans une famille algérienne. J'ai une grande amie qui est algérienne. Donc c'était un peu ma famille, il y avait le ramadan, donc toutes ces choses-là, je les connais un petit peu. Donc ça me touche encore plus, parce que je connais un petit peu... Mais c'est des gens que j'aime beaucoup, je les aime beaucoup. Ils ont une gaieté, ils ont... Bon, bien sûr, il y a des mauvais, mais comme partout... Là, ce à quoi on assiste actuellement, c'est affreux. Cette manière de vouloir étiqueter les gens, de vouloir finalement les exclure. Oui, c'est terrible, parce qu'il y en a qui sont là depuis longtemps, qui ont construit, qui se sont battus autant que nous, qui ont travaillé, qui se sont construits un monde à eux. Alors bien sûr, on n'a pas assez de place. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que la pièce que je joue en ce moment, c'est ça, c'est sur le nombre. Donc ce qui est affolant, c'est le nombre, c'est pas les races. C'est pas un problème, les races. Alors bien sûr, on n'a pas assez de place, donc on peut pas accueillir ceux qui arrivent comme ça. Ça, je le comprends très bien. Mais ceux qui sont là, pourquoi les virer? Pourquoi... S'ils sont respectueux, s'ils travaillent, bon, ça va? Alors, il y a un cinéaste dont je n'ai pas vu le dernier film, c'est Patrick Grandperret, mais dont j'ai vu le film précédent, qui s'appelait Court-circuit, qui était un film absolument extraordinaire, notamment sur le monde de la moto. Et Patrick Grandperret, il appartient à votre monde.
Il appartient à votre monde, Sandrine. C'est-à-dire il appartient au monde des gens qui sont capables d'avoir une générosité comme ça, qui sont capables de voir où ça fait mal, qui sont capables de dire ce qu'ils en pensent, qui sont capables d'en faire quelque chose d'autre pour que ça arrive moins souvent. Alors je voudrais demander à Sophie, comment est-ce qu'elle a connu Patrick Grandpéré et comment est-ce qu'elle le perçoit ? Qui est-il en dehors de ce que je viens de dire ? Comment je l'ai connu ? Je l'ai connu un peu par hasard, par une amie, par relation. Maintenant, comment il est ? Vous voulez vraiment que je vous dise ? Oui, dites-moi. Dans la vie, enfin sur le tournage, c'est dur de savoir ce qu'il a vraiment. C'est dur de savoir ce qu'il a vraiment dans la tête, quoi. J'ai l'impression qu'il ne sait pas le dire autrement quand. C'était dur de le suivre, ouais, sur le tournage, c'était dur de le suivre. J'arrivais pas à le discerner sur le tournage. Dans la vie privée, il est. Si c'est ça, il est hyper. Comment dire. On est en train de voir vos essais, là. Les essais, ouais. je comprends que Patrick Grandpéré vous ait choisi. Hein. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas... Il a été l'assistant de Piala pour deux films, Patrick Grandpéré. Est-ce qu'il n'y a pas une même sensibilité, une même manière ? Enfin, est-ce qu'ils appartiennent pas ? Est-ce qu'il n'y a pas une filiation entre eux, Sandrine ? Si, moi, je trouve qu'il y a la même manière de l'envie de voler des choses, enfin, de voler, entre guillemets, parce que... De saisir. De saisir. Parce que ça peut être... Enfin, pour moi, ce n'est pas péjoratif, voler, au contraire. Et dans le film de Grandpéré, on sent qu'il y a des choses comme ça. Il y a des choses qui sont attrapées comme ça au bon moment. Hein ? C'est exactement ça, ouais. Vous n'aviez jamais fait de cinéma avant, Sophie. Et tout à l'heure, juste avant que l'émission commence, je vous ai dit, est-ce que vous avez envie de faire d'autres films ? Et vous m'avez dit oui, avec une espèce de ferveur, comme ça. Quand on fait un premier film, comme ça, à 22 ans, avec un type, moi, je le dis, un type... vraiment formidable, parce que Court-Circuit, c'est vraiment un des plus beaux films qu'on ait fait dans les années 80. Quand on fait un film comme ça avec un type pareil, on n'en sort pas indemne, on en sort changé, il y a quelque chose qui se passe de très fort. Changé, non, mais pas indemne, non, ça c'est sûr. Pas non, indemne, dans quel non. sens ? Parce que Mona, c'est moi, c'est mes plus mauvais côtés. Et je suis restée comme ça pendant un an, j'ai l'impression. Je suis restée sur mes plus mauvais côtés pendant un an. J'ai eu du mal à digérer ça. Plus mauvais côté, et pourtant Sandrine Bonnaire avait envie de vous connaître. Alors pourquoi est-ce que vous aviez envie de la connaître, Sandrine ? Ben, parce que j'ai trouvé que... Il y a une espèce de fraîcheur en elle, et une spontanéité. Et j'aime bien voir des visages comme ça, qui sont lumineux et qui ne trichent pas, et qui ne sont pas... qui sont pas cachés, qui sont pas masqués par des choses, par des maquillages ou des trucs un peu bizarres. Et je trouvais qu'elle avait une force, elle avait... Et pourtant, il n'y avait pas grand-chose à faire en même temps, le rôle, et je ne sais pas ce qu'on peut raconter sur le rôle. Non, c'est pas qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, c'est que c'est moi, j'étais tellement intimidée que je n'ai pas fait grand-chose, enfin, à part ce qu'on a vu. Oui, mais dans le rien, justement, par exemple, il y a des plans où ils sont... Il y a plusieurs personnages, il y a 3-4 personnages, et on, dans le fond, on la voit. Il suffit que tu sois un petit peu en retrait, et il y a ce visage comme ça qui ressort, qui est étonnant. Alors Sophie n'est pas sortie indemne de son premier film, elle le sait, elle s'en est rendue compte tout de suite, enfin dès que le film est terminé, elle a envie d'en faire un autre. Est-ce que c'était la même chose pour vous, Sandrine, après À nos amours ? Est-ce que vous avez senti que c'était... Est-ce qu'il y a eu un déclic comme ça très, très fort, et vous vous êtes dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire ? Je crois que ça m'a beaucoup apporté sur ma vie personnelle, plus que sur le travail. Vous aviez 15 ans. J'avais 15 ans, oui. Et donc le tournage s'est déroulé sur un an, avec beaucoup d'interruptions. Donc j'ai appris énormément de choses sur la relation avec la famille, par exemple, sur mon père, sur moi, sur... Mais sur le travail, je ne savais pas très bien ce que je faisais, parce que j'avais pas conscience du travail. C'était tellement fort et tellement simple avec les gens et le sentiment qu'on défendait que c'était la vie. C'était vraiment la vie. Et je pense que le film, c'est pas du travail. C'est bien sûr, il y a des choses réfléchies, il y a des choses pensées. C'est un film.
y a une manière de qui est racontée, enfin, il y a un style, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est avant tout, enfin, pour moi, ce sont des choses humaines, des rencontres, des conflits, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y a le même choc ensuite avec les autres films, ou est-ce qu'il y a un approfondissement, ou est-ce que c'est complètement différent? Avec les autres films en ensuite, général ou, oui, après, ou les films de Piala? Non, en général. En général. Mais non, il n'y a pas ça. Parce que d'abord, il faut avoir un rapport privilégié avec la personne. Et c'est vrai qu'avec Piala, on avait un rapport très, très beau. Et alors qu'avec avec d'autres metteurs en scène, on décide de raconter une histoire. Il y a des choses, il y a des bases. Et qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un making-of, un moment où vous êtes en train de tourner avec Piala. Donc, les rapports sont différents parce qu'on, avec d'autres metteurs en scène, on décide de raconter un personnage, on décide de raconter une histoire. Alors qu'avec Maurice, il y avait des choses. C'était à la fois le personnage, à la fois un peu de sa personne, de la mienne. Et en même temps, Le Soleil de Satan est un film très. On a décidé de raconter une histoire. Et il n'y a pas d'improvisation du tout. Est-ce que, juste une dernière question, et puis après on va écouter de la musique ensuite. Juste une dernière question. Quand vous faisiez À nos amours, est-ce que vous aviez envie de séduire Piala? Est-ce que vous aviez envie de lui dire, tu vas voir ce que je suis capable de faire? Ou est-ce que vous étiez dans une relation plus indifférente à son égard? Ben, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de faire ça, puisque lui, il était. Et c'est après, j'ai eu ce rapport-là après avec lui. Sur Le Soleil de Satan, j'ai eu envie de le séduire. Mais sur À nos amours, il était complètement. Il me complimentait tout le temps. Tout le temps. Et donc, je crois qu'il avait vraiment. Il m'estimait beaucoup. Donc, je pouvais pas en demander plus. Je pouvais pas. La séduction, elle n'était pas pareille, quoi. Non, c'est venu après. Franchement, on comprend qu'il vous ait complimenté des à nos amours. On comprend assez bien sa manière d'être. Alors, je vous propose tout de suite qu'on écoute de la musique. Alors, souvent, ici, on écoute de la musique classique, mais aujourd'hui, on a oui. un petit peu changé, mais c'est toujours aussi bien. C'est-à-dire qu'on a demandé à un groupe qui était venu déjà l'année dernière et pour qui on a, comme on dirait en langage moderne, pour qui on a flashé tout de suite, on a demandé à Vaya con Dios de venir. L'année dernière, ils avaient fait une chanson magnifique qui s'appelait Puerto Rico. C'était magnifique. Eh bien, en voilà une autre qui n'est pas mal non plus et qui s'appelle What's a Woman et c'est leur dernier album. Vous allez voir, c'est formidable. Et comme toujours, c'était comme toujours formidable, Vaya con Dios, vraiment formidable, avec des paroles en plus qui sont superbes, cette voix superbe, enfin tout bien sur toute la ligne. À bientôt. Hein. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a deux actrices qui sont mortes, Greta Garbo et Paulette Goddard. Bon, Greta Garbo, la divine, Paulette Goddard, évidemment l'actrice de Chaplin, mais aussi l'actrice de Woman, et puis aussi des essais formidables qu'elle avait fait pour Autant d'emporte le vent. Elle avait failli avoir le rôle, et puis à cause de sa vie réputée dissolue, parce que c'était une femme libre, elle vivait avec Chaplin, on n'était pas sûr qu'elle l'avait vraiment épousée, elle n'a pas eu le rôle. Bon. Puis elle avait été aussi la femme de Éric Maria Remarque, un des écrivains maintenant un peu oubliés, mais fantastique des années 30 et 40, celui qui avait fait À l'Ouest, Rien de nouveau. Des femmes comme ça, des actrices comme ça, du glamour hollywoodien dans ce qu'il a de mieux. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous, est-ce que ça éveille quelque chose pour vous? C'était une autre époque. Paulette Goddard, je trouvais qu'elle avait une. Je dirais plus que Garbo, une fraîcheur comme ça, une spontanéité. Un regard incroyable. Oui, incroyable. Et donc c'était. Alors c'est marrant parce que
quand je fais des interviews aujourd'hui, on me dit « Mais est-ce que vous pensez que vous êtes une star? Que pensez-vous des stars ?» Pour moi, c'est une chose un peu dépassée. Hein. Non, c'est vrai. Merci. <Ouf. rire> J'allais le faire, c'était après, mais heureusement. Oh, c'était des femmes sublimes, sublimes. Mais c'était un rêve, quoi, parce qu'on pouvait pas s'identifier à ce genre de femmes. C'était impossible de ressembler à elles. Elles étaient tellement, tellement belles, sans défaut. Alors qu'aujourd'hui, on a plus tendance... je raconte ça pour expliquer le mot star, qui pour moi n'a plus de sens. C'est qu'aujourd'hui, on fait des films réalistes, plus proches de la vie, donc qui racontent un peu les histoires de tout le monde. Donc les gens peuvent s'identifier. En tout cas, les films que je fais, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, je dirais que c'est pas difficile de me ressembler. Mais à tout niveau, en plus, physique, ça. Mais... alors que ces femmes, c'était des statues, quoi, c'était des beautés, mais... En même temps, vous avez conscience de vivre quand même dans un autre monde. Vous n'êtes pas précisément l'inconnu du café que j'évoquais tout au début. Quand on a eu la chance de faire un premier film et puis après d'autres ensuite, on est dans un autre monde quand même. On est dans un monde qui est différent de celui du commun des mortels. On a une vie beaucoup plus intense, beaucoup plus violente. Peut-être que c'est faux ce que je dis. Je ne sais pas, moi je n'ai pas connu avant. Je pense que oui, on a une vie violente, il y a de l'agression. Mais moi, ce qui me frappe le plus, ce n'est pas les agressions terribles, les choses incroyables, les meurtres, tout ça. Bon, évidemment, c'est monstrueux. Mais par exemple, je trouve que dans le quotidien, les gens sont agressifs, c'est incroyable. En voiture, par exemple, il y a des choses comme ça, les gens ne sont pas eux-mêmes, quoi. On ne sait pas ce qu'ils sont, c'est des zombies, c'est... Et ça me terrifie beaucoup. Et pendant un temps, j'ai eu peur de sortir dans la rue, de faire des choses, parce que j'avais peur de cette agression. Et le théâtre m'a permis d'avoir plus d'audace avec la vie, avec les gens. Mais je suis terrifiée de voir... cette précipitation de tout, mais ça se comprend parce que les gens travaillent beaucoup, les gens ont besoin d'argent, les gens sont crevés, donc ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux. Ça se comprend. Alors, il y a une autre question, c'est un peu une question bateau, mais ça me frappe toujours. Après, à Nos Amours, quand on a commencé à vous connaître, on a été frappé par votre maturité. Par la manière dont vous vous déplaciez à 15 ans dans le monde du cinéma, devant les médias, sans être en rien abîmé par tout cela. Je vous retrouve à 22 ans, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes toujours pas abîmé. Ce qui me frappe, c'est quand je regardais Elsa à la télévision il n'y a pas longtemps. Elsa, à 16 ans, est devenue aussi une superstar. Bon. Qu'est-ce qui explique que certaines filles aient une maturité comme ça, beaucoup plus forte que les garçons, ça vient d'où, ça? Oh, je dirais que c'est... J'ai toujours pensé que les garçons étaient un peu... étaient plus couillons que les filles. Ils ont du retard, je trouve. Excusez-moi pour les garçons qui sont là. Mais... Alors, je sais pas, il y a des filles aussi qui sont très... En fait, il n'y a pas de règles. Hein. Mais j'ai l'impression que les filles sont moins prétentieuses. J'ai l'impression qu'elles acceptent plus leurs défauts, un garçon quand il est jeune, quand il vers, je sais pas, entre 16 et 25 ans, ou des fois plus, j'ai toujours pensé qu'il y avait une féminité chez le garçon. Et j'ai l'impression que beaucoup de garçons se battent contre ça. Ils ont tort, parce que c'est... Enfin, je veux pas faire... Non, mais on est d'accord. C'est pas général, hein. Oui. Mais c'est vrai que les filles sont plus matures, alors je sais pas... Je ne sais pas très bien pourquoi. Je propose qu'on voit un extrait de Saint-Ouen-y-Loi.
Je l'ai vue arriver, je ne sais pas d'où. Elle est venue, elle s'est mise au coin du feu, elle avait l'air d'avoir froid. Je n'osais pas y parler, je ne savais pas s'il fallait lui adresser la parole ou quoi. Des filles qui vagabondent comme ça, c'est rare, très rare. Qu'elle reste seule comme ça, toute seule. J'aurais dû lui parler certainement. Un extrait de Saint-Ouen-Illois. Alors Saint-Ouen-Illois, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film réalisé par Agnès Varda. Agnès Varda, c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité. Je ne sais pas si c'est toujours facile de travailler avec elle, mais en tout cas, le film était tout à fait formidable. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que finalement, c'est la morale du film qui doit l'emporter. C'est-à-dire que même si un film se passe dans des conditions un peu difficiles, si c'est un bon film, après, ben, c'est bien. Ah bah oui, bien sûr, c'est ce qui reste, de toute façon. Mais c'est bien quand on peut avoir les deux. Mais je pense que sur les rapports avec Varda, et je crois que j'étais un peu jeune pour. J'avais tendance à me rebiffer un peu bêtement. Je crois que c'était parce qu'il y avait des choses que j'acceptais pas, parce que j'avais pas. Il y avait plein de choses que j'avais pas réglées avec moi-même, et puis le rapport avec les femmes aussi. Parce que depuis toute petite, j'ai eu très peu d'amis filles. Et puis que c'est plus difficile de séduire une femme, surtout quand on travaille. Donc je crois que tout ça, je l'ai mal. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait différent. J'essaierais de plus comprendre, je serais plus tolérante, je serais elle aussi d'ailleurs. Donc je pense que c'est une rencontre un peu qui a été très forte, un peu maladroite, mais. En tout cas, ça a donné un bon film. Mais ça a donné un bon film. Alors je suis souvent frappé de lire dans vos entretiens que vous parlez de votre paresse. Vous dites j'ai tendance à être paresseuse. En même temps, c'est incroyable ce que vous avez fait entre 15 ans et 22 ans. Et c'est incroyable comme vous avez bien su vous choisir votre chemin, comme vous avez bien su choisir les films. Ce problème de la paresse, c'est quelque chose qui vous inquiète. Et on a l'impression qu'il y a une alternance entre l'exigence et la paresse. En fait, vous dites que vous êtes paresseuse, mais la vérité, c'est que vous êtes très exigeante. Oh non, je crois que je suis vraiment paresseuse. Si je regardais. Un jour, j'ai envie de faire ça, de voir les films les uns après les autres. Et je pense que. C'est-à-dire que quand je dis la paresse, c'est que j'avais tendance à jouer que sur le naturel, la spontanéité. Et c'est vrai qu'il faut, la garder, il faut la préserver, parce que c'est vrai que ça amène une vie, quoi. Et on en a besoin. Pour le spectateur, on a besoin aussi. Mais au bout d'un moment, surtout quand on tourne beaucoup, on n'a pas le temps de se recharger. Forcément, la spontanéité, l'instinct stagne. Donc, il faut trouver autre chose. Et ça, je pense l'avoir compris avec la pièce de théâtre. C'est-à-dire que je crois qu'au départ, il faut faire des choix. Il faut avoir un peu d'imagination, de se dire, ben, je vais plutôt raconter ça que ça. Donc, mettre la spontanéité de côté et ensuite de la ramener une fois qu'on a trouvé son chemin, une fois qu'on s'est guidé comme ça une voie. C'est plus intéressant parce qu'on sait ce qu'on défend. On a envie d'aller plus loin dans l'imagination. Alors, est-ce que c'est plus facile de le faire au théâtre? Peut-être, parce que le fait d'être en continuité, on est nourri de ce qui précède. Donc forcément, c'est plus facile. Je pense que le théâtre est parfois plus facile que le cinéma. On a vraiment l'impression que l'expérience du théâtre, ça a été une expérience très, très forte. Hein. Ah oui, ça m'a redonné beaucoup d'audace, parce que j'avais peur du ridicule. Et c'est pour ça aussi que j'en suis venue à la paresse. À un moment, je disais que je ne pourrais pas refaire à nos amours. Bon, bien sûr, j'avais l'inconscience de l'enfance. Quand on grandit, on ne l'a plus, malheureusement. Mais c'est-à-dire qu'après, j'ai trop tourné. Et puis j'avais des idées de jeu, mais je n'osais pas le faire. J'avais peur d'être ridicule. Pourquoi ? Parce que
Parce que tout d'un coup, on a une image de soi, on se regarde plus. Et je crois que c'est tout simplement l'adulte. Un enfant, il a aucune idée de lui-même, il ne se regarde pas dans un miroir. Et j'aimerais revenir à ça. J'aimerais ne pas avoir d'idée de moi-même. En tout cas, de pas trop me... à la fois de me connaître et de pas me connaître. Et le théâtre permet ça, parce qu'on est obligé de passer par le ridicule. Parce que la timidité, ça ne marche pas au théâtre. Et en plus, on ne se voit pas. Donc c'est bien, on peut tout se permettre. C'est le public qui juge, c'est lui qui voit. Donc à la limite, on ne sait pas si on est ridicule ou pas. Finalement, on a un grand sentiment, à travers la rigueur du théâtre, on a un grand sentiment de liberté. Ah oui, une audace, je dirais, quelque chose de très très audacieux. Alors maintenant, j'espère que je pense que ça me servira pour le cinéma. J'ai envie de retrouver cette audace parce que je pense qu'il n'y a pas une manière de jouer théâtre, une manière cinéma. Je pense que si on a un sentiment à défendre, si on ressent des choses, ben c'est pareil au cinéma qu'au théâtre. Donc j'ai envie d'avoir l'exigence que j'ai eue au théâtre, c'est ça. Je propose qu'on revienne à la case départ, c'est-à-dire qu'on revienne à l'état dans lequel vous étiez au moment de À nos amours, mais qu'on y revienne à travers Sophie Simon, c'est-à-dire qu'on regarde un extrait de Mona et moi. Oui. Ça s'appelait ici ? Ouais. Ah, et de toute façon, qu'est-ce qu'il y a ? C'était pas pour toi. Hein. Ah, non. Toi, là, t'es dans ton monde. Allez, tiens. Qu'est-ce que c'est que ce naze, là ? Qu'est-ce que c'est que ce mec, là ? Tu l'as trouvé où, hein, au puce ? Bah, laisse tomber. Hein. C'est une puce, hein, ça fait une puce. Hein. Ok. Tu veux un verre ? Non. Hein ? Même pas un petit verre ? Mona, regarde-moi. Change pas. Hein? Reste comme ça. Ah, je tombe. C'était doublé en anglais, ce qui rajoute une touche d'exotisme. Alors Sophie, quand vous avez tourné comme ça avec Patrick Rampéré, là on a parlé beaucoup à la fois de l'instinct, de l'exigence, à la fois de la tendance à la paresse et du travail. Est-ce que vous faisiez déjà des choses, vous dessiniez des flacons pour les parfums, c'est quelque non, chose de très... Des boîtes pour les parfums. Bon, c'est quelque chose de très précis, c'est un vrai travail. Comment est-ce que vous avez abordé cette exigence du travail aussi dans le cinéma? Je veux dire, je suis hyper d'accord avec ce que disait Sandrine pour la paresse, la peur du ridicule, tout ça. Et que je trouvais que c'était vrai, quand on sort du monde de l'enfance, c'est vrai qu'on commence à se regarder dans une glace, tout ça, je trouve que ça, c'est hyper vrai. C'est vraiment ce que j'ai ressenti sur le film, la peur du ridicule, de ne pas oser. Je pensais aussi, j'avais envie de faire des trucs pour certaines scènes que j'ai pas osé par peur du ridicule. Est-ce que Patrick Grandperret vous poussait à les faire? Il me poussait... Oui, il me poussait, ouais. Mais ça n'a pas marché. J'étais tellement retranchée, j'étais tellement intimidée. Est-ce que vous retirez du film un sentiment de manque? C'est-à-dire, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez envie d'en faire d'autres? De manque et de frustration, oui. C'est ça. Hein, parce que le premier film, en fait, on découvre des choses qu'on a envie d'approfondir ensuite. Ah oui, là, pour le prochain, j'oserais, quoi. J'oserais. Enfin, bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'improvisation. Enfin, Patrick nous prenait tel qu'on était, et vu que je suis hyper timide, ça donne ça, quoi. Mais au prochain... Il y aura un prochain, oui, mais... Donc, ce ne sera pas encore pareil, parce que je ne pense pas tomber sur une autre improvisation, enfin, pas une improvisation, mais sur autant de liberté, quoi. C'est un peu dommage, et que j'ai raté mon coup pour le premier. Oui, moi, je n'ai pas du tout l'impression que vous ayez raté votre coup, hein, d'après tout ce que je peux lire et puis d'après le court extrait qu'on vient de voir. Et vous savez, là, au moment où j'étais en train de vous regarder, comme ça, si timide, mais si précise quand même dans vos réponses, je pensais à ce que se donnera cette émission quand on la regardera dans 10 ans. Dans 10 ans où vous aurez fait plein d'autres films. Dans 10 ans où vous serez très connu. Et à ce moment-là, on montrera, il y aura un vieux monsieur, ce sera moi, qui dira, moi j'ai le premier entretien de Sophie Simon. Regardez comme elle était timide, mais regardez, on voyait déjà ce qu'elle allait être. Alors, je voudrais juste qu'on voit une image là.
l'image d'une autre comédienne de votre génération, à toutes les deux, qui est une comédienne que j'adore. C'est une sorte de message qu'on lui adresse là, pour lui dire que si un jour elle veut venir à cette émission, ce sera quand elle veut et comme elle veut. Il s'agit de Mireille Perrier. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez de Mireille Perrier, son Bonheur. Écoutez, j'ai été bête parce qu'on aurait pu l'inviter. Parce que c'est une amie, une grande amie. Je ne savais pas. Et elle a écrit un scénario qui est formidable sur des clochards. Et si jamais elle arrive à le monter, normalement on devrait travailler ensemble. J'aurai un rôle dans son film. Mais c'est une fille que je trouve formidable, qui a justement cette force, une grande, grande maturité et qui a beaucoup de flair, qui a un jeu formidable, hein, qui ne triche pas. Vous ne fonctionnez pas du tout, vous, sur des principes de rivalité ou des choses comme ça, comme c'était à Hollywood autrefois. Alors là, pas du tout. Non, bah non, parce que je crois que c'est de l'énergie perdue, pour rien. Non, au contraire, j'aimerais bien faire un film avec plusieurs actrices, avec des jeunes, avec... Pourquoi chacun sa place, et puis on est tellement toutes... Aujourd'hui, c'est pas difficile, hein, de rentrer dans ce métier, je me dis ça. Il y a tellement d'actrices qui arrivent comme ça. Tous les ans, il y a une jeune fille qui arrive. Donc chacun sa place. Après, bon... Disons que la chance est là très souvent. Après, il faut savoir la préserver. Mais je veux dire, dans les actrices confirmées, il y a aucune crainte à avoir. Chacune a une belle place, je trouve. Je vous propose qu'on écoute un deuxième instant de musique. Alors, on a dans l'univers de Patrick Campéré, la musique est très importante. Et j'aimerais bien lui faire connaître quelqu'un que peut-être il ne connaît pas, ça m'étonnerait d'ailleurs, mais que moi, en tout cas, je ne connaissais pas et que j'ai découvert en l'écoutant dans mon petit bureau là-haut. Et on s'est dit tout de suite qu'il fallait qu'il vienne ici. Il s'agit de Bernie Bonvoisin. Alors, Bernie Bonvoisin vient de faire un album qui s'appelle En avoir ou pas. Il passe au Bataclan le 22 mai et là, il chante pour nous du noir, du blanc, du blues. Vous allez voir, c'est formidable. Comme quoi on a raison d'écouter des disques dans son bureau. Hein. Bernie Bonvoisin, on ira vous voir au Bataclan le 22 mai. Et j'espère qu'on vous reverra aussi souvent du côté de chez Fred. C'était beau. Puis en plus, la manière dont vous vous tenez et tout ça, c'est formidable. Et on était là, on était en train de dire qu'on avait envie que ça dure. Bon, alors on arrive, on avait envie que ça dure, mais en même temps, l'émission tire à sa fin, déjà. Et je voudrais quand même qu'on parle aussi encore quand même un petit peu du théâtre. Alors on va donner tout de suite la parole à Lila, qui va nous donner quelques nouvelles. C'est une tradition dans cette émission. Et puis, on va revenir pour parler un tout petit peu encore de théâtre. Et puis après, on va se quitter. Lila. Bonjour. Le disque de Bernie Bonvoisin sort chez Celluloid. Le 45 tours de Hoya con Dios est sorti chez BMG. Au Théâtre National de Marseille, Maître Puntilla et son valet Matti de Brecht, mise en scène de Marcel Maréchal, avec entre autres Pierre Arditi jusqu'au 23 juin. Au TEP Sainte-Carmen de Montréal de Michel Tremblay, mise en scène Gilles Chavassieux du 24 avril au 23 mai. Quatre ouvrages par Jacqueline Dana, Appelle-moi Emma aux éditions Fayard. Avec une préface de Federico Fellini, 30 ans de cinéma par Alberto Moravia aux éditions Flammarion. Un Place Garibaldi par Jean-Claude Panchenat aux éditions Actes Sud Papier. Enfin, La caravane des chimères de Fawzia Zouhari chez Olivier Orban. Dans le cadre du mai du livre d'art, l'objet du jour me donne l'occasion de vous raconter une belle histoire. Un été 67, Albert Skira et Picasso se promènent dans un sous-bois où Picasso ramasse une souche. Son ami la retrouvera quelques jours plus tard dans l'atelier de l'artiste, intégré à une sculpture. « Tu vois, dit celui-ci, le chemin que nous avons pris était sur les sentiers de la création. » Cette réflexion donne à l'éditeur le prétexte d'une nouvelle collection, où photographies, textes et dessins se mêlent au gré de son auteur. Aujourd'hui, par Francis Sponge, La fabrique du pré, aux éditions Skira.
Ma tenue est signée Camelia Vlad, styliste roumaine. Camelia Vlad cherche des contacts pour présenter sa collection à Paris. Vous pouvez la contacter au 47 66 081 poste 400. Je vous embrasse. Merci Lila. On a vu un beau livre là, parce que c'est maintenant le mois du livre d'art et chaque jour on va présenter un livre d'art. Donc. Alors, il faut qu'on se quitte, mais je voudrais quand même vous poser encore une dernière question concernant le théâtre. Vous n'avez pas suivi de cours d'art dramatique, vous avez eu envie de faire du théâtre, vous êtes allé voir pendant 3 mois toutes les pièces qui étaient là, vous avez eu la chance de travailler avec un metteur en scène qui est unanimement respecté dans la profession. Le résultat, c'est que vous n'avez eu que des critiques favorables. Sauf Libé, c'est fréquent. Hein. Vous n'avez eu que des critiques favorables, avec l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire Libé. Et vous m'avez déstabilisé avec ça. Bon, et la question, c'est que Pourquoi cette pièce-là a eu tellement d'importance en dehors de la bonne de Sichuan? Pourquoi cette pièce-là? Est-ce parce que c'était une performance que de jouer pendant 3 heures? Ou est-ce que c'est parce que c'était le thème, et que ce thème de l'idée de la bonté en notre temps était quelque chose qui vous intéressait particulièrement? Il y avait plein de... C'est une pièce qui me parle beaucoup sur la générosité. Alors, quand on la lit comme ça ou quand on la voit, on peut penser... parce que je joue deux rôles. Donc, je fais la fille et le garçon. Le garçon est méchant. Donc, c'est ce qu'on pense au départ. Mais petit à petit, quand on travaille sur le texte, on s'aperçoit qu'en fait, le garçon, c'est lui qui amène la bonté. Il est obligé de passer par des trucs durs parce que les gens sont tellement fermés, tellement égoïstes, qu'on est obligé de les agresser pour qu'ils puissent entendre un peu, qu'ils puissent... Enfin bref, donc tout ça pour dire que cette pièce me parlait beaucoup sur la générosité, parce que j'ai tendance à être parfois trop bonne, dans le sens trop gentille, quoi, ce qui est bien pire. Et je trouve que ça parle beaucoup de c'est même pas la bonté, c'est l'utilité, c'est le concret, comment exister dans un monde aujourd'hui, aujourd'hui ou avant, parce que cette pièce, ça fait un petit bout de temps qu'elle est écrite, mais ce qui est insensé, c'est qu'elle est restée très moderne, donc comme quoi ça n'a pas beaucoup évolué dans notre monde. Donc voilà, ça me parlait beaucoup là-dessus, sur que les gens comptent beaucoup sur cette fille qui est plutôt très, très saine, qui veut faire du bien à tout le monde, et c'est trop lourd pour elle, donc elle est obligée de passer par des phases complètement monstrueuses pour arriver à défendre ce qu'elle voulait au départ. D'ailleurs, elle n'y arrive pas, tout lui tombe dessus. Donc c'était le thème au départ, et puis j'avais envie de travailler avec Sobel, parce qu'on m'avait parlé de lui, et je sentais que c'était le moment de faire du théâtre, parce que j'ai trop tourné, et c'est bien connu qu'au cinéma, il y a un manque de temps, beaucoup pour l'acteur, donc ça, en même temps ça dépend avec qui on travaille. Quand on travaille avec Piala, c'est vrai que l'acteur est roi, mais malheureusement c'est pas dans tous les films. Et puis c'était aussi un pari que je me faisais, de voir si je pouvais tenir 3 heures sur une scène, de savoir aussi s'il était important de prendre des cours ou pas. Alors il y a cette légende qui dit que quand on n'a pas fait de théâtre, on n'est pas un acteur. Moi j'y crois pas, mais c'est vrai que quand on en a fait, et quand ça marche, c'est un plus quand même. Je propose qu'on voit un extrait. Ne risque-t-il pas de ternir la réputation de cette boutique qui vous a offert l'asile ? Ne vous occupez pas de lui. Nous la retrouverons vite. Et elle saura vous mettre à sa place. Laissez-nous une part du petit déjeuner. Ils ne la trouveront pas. Ma cousine regrette indéfiniment de ne pouvoir observer le commandement de l'hospitalité. Mais hélas, vous êtes trop nombreux. Ceci est un débit de tabac et Mademoiselle Chente en vit.
Jamais une chose pareille ne viendrait aux lèvres de notre ancienneté. Vous avez peut-être raison. Le malheur, c'est que la misère est trop grande dans cette ville pour qu'un seul puisse y remédier. C'est bien triste à dire, mais rien n'y a changé en 11 siècles depuis que quelqu'un composa ce quatrain. Le gouverneur interrogé pour secourir ceux qui avaient froid dans la ville répondit « Une couverture de 10 000 pieds simplement qui couvre tous les faubourgs. » C'était juste un extrait de la pièce. Je sais qu'il va y avoir un film qui va être tiré de la pièce. Oui. Et ça, c'est un projet à quoi vous tenez beaucoup. Là, le générique va se dérouler. Je voudrais demander à Sophie, qui vient d'assister à 1h10 de télévision dans les conditions du direct pour la première fois et qui commence au cinéma et qui commence en ayant vu donc ce moment avec vous, Sandrine Bonnaire. Sophie, qu'est-ce que vous retenez de tout ce que vous venez d'entendre de Sandrine? Et est-ce que ça vous sera utile pour ce que vous allez ou pour ce que vous désirez faire? En fait, ça me conforte beaucoup parce que je trouve que j'ai beaucoup de points communs avec Sandrine. Et vu qu'elle tourne beaucoup et qu'elle est beaucoup aimée, j'espère suivre son chemin, enfin faire le même genre de trajet, quoi. Parce que je trouve que j'ai vraiment tout ce qu'elle dit, ça me... Est-ce que vous pensez que vous allez avoir un jour son assurance? Vite. Elle l'a déjà. Non, je trouve qu'on s'ensemble beaucoup, c'est vrai. Moi, je pense que oui. Le film est toujours un prétexte, l'intrigue un faux problème. Je connaissais les lieux avant les prises d'otages, mais comment parler de l'espace, du désert, de l'enfermement, des populations qui y vivent? L'otage, lui, il doit parler. Il a parlé, il y a 15 ans. Aujourd'hui, devant son silence, il ne reste que du vent, la douceur et la dureté du désert d'Afrique. La logorée s'est évanouie, c'est le droit de l'otage à se taire, à garder pour lui. Le témoin privilégié, lui, garde autre chose. Il faut qu'il se débarrasse, il relativise, il aime, il n'est pas objectif. C'est un faux témoin. Qu'est-ce qu'il sait? Rien de la vie de l'otage. Il vient seulement retrouver les paysans de son enfance dans les nomades tout bout du Tibesti. La même fierté, la même pureté. Il s'enfonce à aller dans le sud. Il a enfin une justification à traîner. Il va vivre 8 mois à côté de l'otage, amoureux du soleil. Il n'est pas otage, il est l'hôte. Mais c'est le même vent, les mêmes pattes au sable. Il s'imagine, il imagine, il écoute l'otage quand on le lui permet. Il regarde autour, il ne voit rien, il n'est pas otage. Ça, c'est un extrait du texte de Raymond Depardon pour présenter La Captive. Je dois dire que s'il ne vous avait pas rencontré, il n'aurait pas fait un aussi beau film. Merci, Sandrine Bonnaire. Ce matin, j'achète la Mossad. Eh bien, c'est...